salut les geeks, c'est Adrien. Vous voulez aller quelque part les geeks? Allez, je vous emmène. Dans mon bus, oui, parce qu'aujourd'hui on va jouer à Bus Simulator 2016. Alors bienvenue sur mon lieu de travail les geeks, c'est pas super gay, hein. Franchement ça donne carrément pas envie d'aller bosser là-bas. Je peux boire du café? Eh bah buvons. Moi je suis un super gros buveur de café en plus. Ah, je me sens requinqué là. Bon, maintenant est-ce qu'on peut boire un petit verre d'alcool avant de prendre la conduite? Non? Oh, et c'est mon bus! Oh, il est magnifique! On y va! En avant toutes! Comment qu'on fait déjà? Ah, il faut mettre le contact aussi, sinon ça ne fonctionne pas. On est d'accord. Allez, ah oui, non, merde! Oh putain, oh le con! Non mais, je peux pas essayer de défoncer la porte? Non, parce que là, j'ai pas le temps, on est en retard! Oh, je suis dedans dans le miroir, trop cool! Moi, j'ai pas le temps, hein. Au bout de 30 secondes de jeu, je veux déjà démolir la porte de mon garage. Allez, faut déjà y aller à droite! Attention! Oh là là, y a monsieur! Oh pardon, monsieur! Oui, je vous ai un peu bousculé. Attends, un gros accident est survenu, j'étais à même pas 5 km/h! J'ai vu un accident impliquant des piétons, vous êtes relevé de votre service actuel et ne serez pas rémunéré pour celui-ci? Mais il simule! Ce connard! J'ai même pas fait 5 mètres que je me suis fait expulser de mon job. On va la refaire. Alors attention. Oh là, il y a une petite dame. Ralenti, ralenti, ralenti. Allez-y, ma petite dame. Allez-y, vous pouvez passer. Je vais quasiment pas vous écraser. Mais ça veut dire que dans ce jeu, tu peux écraser personne, quoi. Tu peux même pas écraser une ou deux petites personnes et hop, on le voit pas. Parce que si on ne voit pas, ça compte pas. La logique d'un youtubeur. C'est mon premier arrêt. Allez-y, rentrez les gens. Allez-y. Non? Ah oui, non, faut que j'ouvre les portes. Hop là, c'est parti. Ah, ils veulent des tickets! Attendez, parce que je suis aussi caissier. Alors qu'est-ce que tu veux? Un ticket normal pour un aller simple. La vérité, la prochaine fois, tu l'achètes au tabac, comme tout le monde. 2,20€, s'il vous plaît. Et me donne 5€. Ah, faut que je rende la monnaie. Allez, 2,80€, tu crois quoi? Je suis compté, bim. Encore un ticket. Tu ressembles à quoi, toi? Me regarde pas comme ça. Et la meuf, elle te demande un ticket de bus, elle a l'air vénère de ouf. Ah non, merde, je lui ai rendu 8€. Et elle me devait 33. Oh putain, le con, j'ai perdu 1€. Mon patron, il va me défoncer. Le pire chauffeur du bus du monde. Ah, attendez, je roule la porte ouverte. Attendez, oulala. Attendez, elle est où la porte? Oui, c'est la porte là-bas. Merci beaucoup de m'avoir prévenu, messieurs, dames. Attention, bouge-toi, la camionnette, bouge-toi. Ah, putain, oui, ça passe. Oh merde, il fallait que je tourne. Ah bah voilà. Eh bah voilà. Eh, marche arrière. Le truc est carrément pas fait. Je suis à Carrefour, moi je fais des marches arrière. Oh calme. Attention, le super virage. Oh putain, oh putain. Wow, j'ai frôlé la caisse. Je l'ai à peine frôlé. C'est passé nickel. Je suis peut-être fait pour ce métier en fin de compte. Regardez, hop. On s'embête pas avec les feux rouges. On s'embête pas avec les virages. Wow, 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 wow. Quasiment pas touché. Ah ça y est, on arrive au prochain arrêt les geeks. Ils sont là. Attention, attention. Freinage d'urgence. Frein à main. Hop là. Trop d'action dans ce jeu. Regardez, ils ont tous leur téléphone portable, quoi. Vous êtes prêts? J'ouvre les portes, mais genre 2 secondes, hein. Hop là. Allez-y. Allez, eh ben non, je ferme. Allez, vas-y, je rouvre. Eh ben non, je referme. Ah, oh, il y en a, elle est passée. Allez, c'est bon, on va pas faire le gamin. Je vous laisse rentrer. C'est dangereux de rouler la porte ouverte, mais carrément pas. C'est pour aérer. Il fait, oh putain, oh putain, vite, je veux pas me prendre une amende. Le gars, il a carrément dépassé du feu rouge, quoi. Bon, allez, quand est-ce que c'est vert là? C'est trop long. Genre, si je grille, mais doucement. Non mais d'où je me suis pris un feu rouge, grillé, 82€ à payer. Il y avait même pas la police. S'il y a pas la police, ça compte pas normalement. Regardez, il y en a, il veut rentrer. Allez, vas-y, rentre. Regardez, regardez. Il est dégoûté, il s'est barré le gars. Il a dit, ah ouais, tu veux, je me barre, j'en ai marre. Ah merde, il y a quelqu'un qui veut un ticket. Alors, attends. Ah putain, oui mais c'est compliqué, tu me demandes un ticket pendant que je roule, mec. Alors attends, c'est la merde, c'est la merde. Tu veux quoi comme ticket? Un étudiant, elle est simple. En plus, un étudiant. Vas-y, et tu sais quoi? Je te l'offre, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Non, mais ne reste pas à me regarder comme un con. Je t'ai dit, c'est gratuit. T'es un étudiant, c'est gratuit. Arrête avec ton billet. Et par contre, vas-y, si tu continues à me tendre ton billet comme ça, je te jure, je te donne un coup de pied et je t'expulse par la porte ouverte. Attends, faut que je tourne. Ah bah voilà, avec tes conneries, j'ai oublié de tourner. Eh bah, j'espère que t'es fier de toi. On arrive au terminus. Alors, messieurs, dames, moi je vous propose qu'avant qu'on aille au terminus, on aille un petit peu visiter les environs. J'ai bloqué mon camion. C'est la merde. Bon, en fait, on va pas y aller, hein, parce que c'est casse-couille. Attention, monsieur, je vais vous écraser. Je sens que je vais vous écraser. Le bus, il va vous tomber dessus, hein. Non, mais reste pas là comme un con. Regardez, le bus, il lui arrive dessus. Le gars, il bouge plus. Mais pourquoi j'ai fait ça? Non, mais attends. Tu me donnes un bus et moi je te fous le bordel de ouf. Mais bouge le gars, j'ai pas envie de t'écraser, sinon je vais devoir tout recommencer depuis le début. Et regarde, c'est un monde ce connard. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Tiens, messieurs dames, on va aller voir le gars. Putain, je peux même pas passer. Ah, c'est la merde. Bon, vous savez quoi? Vous me démerdez. Oh, salut, ça va toi? T'as un numéro de téléphone? Les gens, ils s'inquiètent pas. Je veux dire, je suis en plein milieu du trottoir. Le bus, il penche. Mais tout le monde, c'est normal pour eux. Y'a aucun souci. Madame, vous n'êtes pas inquiète. Ah si, madame, elle est un petit peu inquiète, j'ai l'impression. Bon, allez, je vais essayer d'arranger la situation, je repasse. Alors, attendez, excusez-moi. Oh putain, j'ai créé un de ces bouchons. Excusez-moi. Monsieur, voilà. Est-ce que vous pouvez éviter de rester ici comme un con? Parce que j'ai peur de vous écraser, là. Je vous mets des petits... Je vous clique dans les yeux et dans le nez. Ça ne marche pas. Dans les fesses. Est-ce que je peux vous cliquer dans les fesses? Ça vous fait réagir? Ah, monsieur se retourne maintenant. Monsieur a aimé ça. Attends. Il veut que je clique dans les fesses. Il a aimé ça. Et toi, tu regardes la scène sans rien dire. Eh, mais je te reconnais. Je t'ai vu tout à l'heure. Ah, mais le vent.
Ah, le vent, quoi. Connasse. What? Et c'est quoi tous ces gens? Mais laissez-moi rentrer dans mon bus, s'il vous plaît. Allez, dégagez tous, là. C'est fini, là. Fini de jouer. Vous en allez. Y'a rien à voir. Arrêtez de prendre des photos, là, pour les poster sur Twitter. Non, n'hésitez pas à me re-suivre sur Twitter et Facebook, les geeks. Ah, putain, j'ai un vrai vendu. Si c'est celui derrière, là, il veut pas bouger aussi. Ah, oui. Oh, putain, c'est bon. Dites-moi que j'écrase personne. Oh, je frôle, là. Ah, je l'ai un peu frôlé, la meuf, derrière. Ouais, mais bouge, connasse. Faut que tu bouges la voiture qui est tout derrière. Voilà. Je vais klaxonner, ça va leur faire peur. Allez, je klaxonne, là, c'est-à-dire que je suis énervé. Non, mais attendez, mais non, mais si je vais doucement, ça l'écrase pas. Je roule dessus, c'est pas grave. Continue d'avancer. Ok, pas de problème. Eh ben, on va faire cette technique-là. On va essayer de pas t'écraser. Voilà, nickel. Parfait. Oui, on a réussi. Oh, maintenant, j'arrête de faire le con. Oh là là. Bon, il est où le terminus, maintenant? Ah, c'est là, l'arrêt de bus, le terminus. Allez, terminus. Je suis très en retard, à peine. Allez. Cassez-vous tous là, bande de connards, y'a personne qui m'a aidé. Allez, faut retourner au garage. Oh putain, merde, un piéton. Oh, j'ai failli le défoncer. Eh, mais c'est celui de tout à l'heure. C'est celui de tout à l'heure là, tu traverses n'importe comment, mon gars. Si tu cherches les embrouilles, arrête de me stopper. Je suis en train de te parler, espèce de connard. Est-ce que tu cherches les embrouilles? Tu veux te. Mais non! Et le respect, il est où là? Moi, je vais te taper. Tu sais quoi? Mais ça me fait vraiment de la peine que tu réagisses comme ça. Je n'ai aucune autorité sur les joueurs de ce jeu. Alors, il est où le garage? Il est là. Ah merde, oh putain, mais jusqu'au bout, mais j'arrive même pas à rentrer dans mon propre garage. Voilà. Alors, j'ai gagné combien d'argent? J'ai what? Moins 24 000 euros. J'ai fait quoi? Oh là là, j'ai tué personne en plus. J'ai eu quelques petits accidents, mais ça nous arrive à tous, non? Alors, j'ai gagné 4600 euros sur les tickets de bus. Putain, je savais pas que c'était aussi cher, les tickets. Il y a quand même eu 240 euros de feu rouge. Bon, ça va au final, quand tu compares ça aux 29 000 euros pour accident. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter, les geeks. Est-ce que vous monteriez dans un bus que je conduis? Dites-moi ce que vous pensez réellement. Ou plutôt, ne le dites pas et soyez gentils dans les commentaires. Je remercie tous ceux qui likeront et qui partageront la vidéo. Pour ma part, je reviens très vite pour de prochaines aventures, les geeks. Et n'oubliez pas, si la vie est un jeu, alors toi-même, tu sais, amusez-vous bien. Ciao. Là, c'est quoi ça? Mais il est malade, celui-là. Tu sais, oui, dessiner ou pas? Je sais dessiner, mais attends, mais là, j'ai une vieille souris toute pourrie. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là, ça, tu vois ce que c'est, ça? Ça, t'as compris. Iron, arrête de faire des bêtises. Et je te jure, je vais te rouler dessus en overboard. Non, vas-y, je rigole. Non, mais t'arrêtes de faire la bêtise maintenant.